Est-ce que tous mes réglages sont bons? Allez, vas-y, je passe en live. Toc, voilà. Normalement, yo, Bakayalo, Konoyalo, normalement, on est en live. J'espère que tout le monde va bien. Oui, je fais un live à l'arrache, j'avais même pas prévu. Je sais, il faudrait que je tweete. Sixième vidéo sur le chapitre de Boruto, le chapitre 80. Là, j'ai atteint le niveau moins 1, mais là, je crois que je vais tomber sur le niveau moins 2, là. Bientôt. On va dire que, mais tu fais toujours le même contenu. Ok les amis, soyez les bienvenus. On a deux invités pour ce soir, effectivement, comme vous pouvez le voir. Alors, on va les laisser se présenter tranquillement. Donc, on va aussi attendre que les gens arrivent, évidemment, parce que c'est un live que je lance comme ça. Donc, bah, je vous en prie, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, Makoto? Du coup, bah, salut tout le monde, moi c'est Makoto, de Boruto, Naruto, et merci à Jeffo de m'avoir invité, j'espère qu'on va passer un bon live. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est vrai que si vous ne le savez pas, en back, dans les backstage évidemment, bah c'est surtout Makoto aussi qui est chaud et qui me fait vraiment, qui me booste à faire le live aussi. Donc merci à lui, parce qu'en vrai je suis chaud aussi. Donc c'est l'impulsion vient de toutes les personnes en fait, et même de Vega Uray, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai que Makoto, il est là pour nous dire, on fait un live, et donc, ouais, bah, chaud. Hein. Toujours chaud pour des lives. Et donc, pareil, je suis youtubeur sur Naruto, Boruto, et un peu sur les jeux vidéo aussi, mais c'est pas le sujet, là. Donc, voilà. Donc, merci à toi, je fonce. C'est cool. Tu fais jeux vidéo aussi? Ouais, je fais des chroniques, un peu à la JDG, quoi. Ah, c'est cool ça. Ok, je crois que t'avais une chaîne, non, Dame Makoto? De quoi? T'as une chaîne YouTube, non? Oui, bah oui. Ouais. Ouais, bah oui, sur Boruto, dans Boruto. Ouais, toi, c'est principalement Boruto, Naruto. Ouais, c'est ça. Et à propos de Makoto également, bah il fait aussi quelques-uns de mes montages. Donc, super beau travail, merci à lui. Ouais, t'inquiète, hein, c'est normal, hein. Voilà. Voilà. Donc, très bon en montage et tout. Donc, j'en profite pour saluer un peu le chat. Salut Akuvi, Todoko, Soumia, Mekbarki, Cherminator Drawing aussi, qui est là, toujours présent, et qui lui fait un manga qui s'appelle Dragon Ball Broken Horizon. Voilà. Je le remets là. Donc n'hésitez pas à lui parler en privé. C'est Fumigène H aussi, honneur à lui, même s'il n'est pas là, qui font ce magnifique manga. Donc voilà. Cherminator Drawing qui est au niveau de la manette pour les dessins. Et Fumigène H pour le scénario. Et ça fait toujours plaisir de l'avoir dans le chat. Évidemment, je salue aussi Code BFA, Soumia, Severki, Ishikawa. Ishikawa, ça me rappelle quelque chose, ça. Ce serait pas une ville au Japon? Ishikawa, ça me rappelle plutôt un personnage. Ouais, c'est peut-être un personnage. Ouais, ça fait nom de personnage un peu. On a aussi Kara. Kara qui est le nom de la chaîne de De Makoto. Makoto. Ouais, Donc bah ouais. est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? Non, si, c'est moi, c'est moi, c'est moi, si, si. Ok. Est-ce que vous m'entendez toujours? Attends, j'ai fait un truc là. Ouais, Makoto. Ouais. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Salut Trician, comment ça va? Ouais les amis, comme vous le savez, ce soir on va parler de Boruto chapitre 80. Malheureusement, c'est déjà le dernier chapitre de Boruto. Malheureusement, bah on va devoir attendre plus de 4 mois. C'est ça, hein, la pause dure 4 mois. Ouais, quatre Jusqu'au mois mois. d'août, normalement, août Ouais. 2023. Ça va être très long. Mais en attendant, on a beaucoup de choses à dire, hein, parce que je pense que après ces 4 mois, il y aura l'ellipse. Boruto va grandir. C'est pas pour rien. Il s'est passé tellement de choses dans Boruto et on va également parler du dernier chapitre et également de toute la première partie. Et je pense qu'il y a pas mal de gens comme Makoto et Vega Uray qui ont des choses à dire. Un chapitre quand même. Ouais, carrément, 80 Ouais, chapitres. ouais. Mais d'abord, je propose qu'on discute du dernier chapitre qu'on a vu et après qu'on parle de la première partie. Attends, je vais faire un Ok. tweet. Je vais faire un tweet. Oh, Ok. j'ai la flemme de faire le tweet. Sixième vidéo à propos du chapitre Boruto. Bon, bah alors, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Quelle note vous lui mettrez concernant bah, une note sur 10, tiens. Je dirais quand même 9 sur Salut 10. Raito. Yo Raito, comme je te le disais, si tu veux passer en live, il n'y a pas de souci, tu connais le chemin. Yo Raito. Donc ouais, non. Moi je dirais un petit 9 sur 10 quand même. 9 sur 10? Ah, t'as vraiment Ouais. kiffé alors. Ah, j'ai vraiment kiffé, même si tu vois, ils auraient peut-être plus allé encore au-delà de la symbolique avec le départ de Sasuke, enfin le fait qu'il déserte de nouveau Konoha, Sasuke, avec Boruto. La symbolique que Sasuke lui dise à Boruto que lui aussi il a déserté Konoha, puisqu'il n'a pas l'air d'être au courant encore, Boruto, pour Je le crois passé lui de avait... Sasuke. Vas-y, tu voulais dire quelque chose, Makoto? Non, j'ai cru qu'il lui avait déjà dit, qu'il en avait parlé dans le passé, mais non, ouais, t'as raison. Bah, Mais je moi, je sais pas, parce que du coup, le seul moment où c'était évoqué vite fait, c'était pendant
Urashiki dans l'animé, avec Oui. Urashiki, mais ça n'a jamais été dit vraiment que Sasuke était un déserteur. Donc Non. je sais pas si Boruto est au courant de ça. Ah, il y a des notes. Ishikawa me dit. Ah, il Moi, je dit mettrai un 2. c'est... Moi, je Vas-y. mettrai un 10 sur 10 pour le chapitre. 10 sur 10, carrément, c'est la perfection. Alors, pourquoi est-ce que t'as trouvé ça parfait et qu'est-ce que t'as le plus kiffé dans ce chapitre? Bah, déjà, il y a un point où il est trop compliqué et que personne aime. Enfin, il y a beaucoup de critiques. C'est au sujet du Mangekyo de Sarada. Ouais, vas-y, dis-moi. Je trouve que le perso de Sarada dans le futur, ça va être un peu la preuve que... On t'a perdu? On t'a perdu, Makoto? Ah, je t'entends plus, moi, en tout cas. Ouais, non, tu Allô, non on m'entend plus. toujours? Là, on Là, c'est t'entend. bon. Allô? Allô, ouais. Oui. Ouais, on m'entend toujours? Là, on t'entend. Là, oui. Ouais, je disais, ouais, pour ouais, bah, en fait, l'éveil du monde du coup de Sarada, et pour moi, il est logique, et c'est en cohérence avec le fait que comment Sarada l'a éveillé son Sharingan, en fait. Moi, je trouve que c'est normal qu'elle l'ait éveillé à ce moment-là, puisqu'elle pense que Naruto, il est mort. Bah oui, Elle tient clairement. beaucoup à Naruto, c'était vraiment la personne qu'elle admirait le plus. Et donc, bah, c'est un choc émotionnel. Et puis, ça fait aussi référence quand elle a éveillé le Sharingan. Elle l'a éveillé aussi au moment où elle était avec Sasuke, quand elle a rencontré son père. Bah oui. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, la référence que ça se fasse deux fois pour Sasuke, Et d'un autre côté, qu'il mette en... c'est. D'un autre côté, c'est Ouais, vas-y, double vas-y. choc émotionnel, hein. Parce que non seulement c'est par rapport à Naruto, comme vous dites, mais il y a aussi le fait pour Boruto. Qu'ils Bah se oui, disent, clairement. ouais, il prend tellement cher et tout, donc là on a vraiment le choc psychologique. Et finalement, il joue un peu sur ce côté. On sait pas c'est quel déclencheur qui a fait. Que c'est le Mangekyou, tu Ouais, vois. c'est ça. Soit c'est la mort de Naruto, soit c'est le fait que Boruto, bah, il se fasse duper et que tout le monde veuille le tuer. Et qu'il y ait ce sentiment d'injustice, et peut-être est-ce le côté amoureux, tu vois, de Sarada qui fait qu'elle éveille son Mangekyou Sharingan. Parce que moi, ce que je disais, c'est que ça se trouve, Sarada, c'est plus le côté amoureux qui déclenche l'évolution de son Sharingan. Oui, bah Ouais, je oui. pense. Et d'ailleurs, moi, j'avais une théorie là-dessus, c'est que quand Sarada va déclarer sa flamme à Boruto, ou quand Boruto va déclarer sa flamme à Sarada, c'est à ce moment-là qu'elle éveillera son Rinnegan, je pense. Parce que le choc amoureux sera tellement présent que, boum, Rinnegan, tu vois. Pourquoi pas, ouais. Intéressant. En vrai, c'est intéressant de ouf. Mais en attendant, c'est vrai que par rapport à son Sharingan hypnotique kaléidoscope, là, eh ben on sait pas quelles sont ses facultés. Je pense qu'on peut en discuter là-dessus, mais comme déjà la forme de ses yeux sont différents, ben, on peut supposer que son pouvoir est différent. Par exemple, son Susanoo, je Oui, bah voyais oui. qu'il y avait des théories peut-être que c'était autre chose. Moi, je pense peut-être comme c'est féminin, c'est un Susanoo rose. Peut-être que la forme, tu vois, ça va être une forme angélique. Ah, pourquoi pas? Peut-être, bah oui. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de débats à ce niveau-là. Peut-être que son pouvoir, c'est lié à la réalité. Bah oui, comme ça, vu qu'elle serait pas infectée par l'omnipotence, ouais, Elle peut ça peut peut-être être pas modifier la réalité. Est-ce qu'elle a toujours l'Amaterasu? Est-ce qu'elle a encore les pouvoirs initiaux du Mangekyou Sharingan? Parce qu'on se rappelle que t'as le Tsukuyomi aussi. mal. Voilà, il y a plein de questions qui se posent par rapport à son Sharingan. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je pense que c'est bien dès qu'elle a éveillé son Mangekyou Sharingan, mais la grande question, c'est comment elle va faire pour avoir le Mangekyou Sharingan éternel? Parce que le Mangekyou Sharingan, du coup, ça rend aveugle dans Oui, bah Naruto. oui. Effectivement. Du coup, faut des nouveaux Sharingan pour les implanter sur Sarada. Sasuke, on n'a plus qu'un, à moins que Sasuke donne son œil à Sarada. Après, il y a les Chines. Ouais, mais je pense Ah pas oui, il y a les que Chines. je pense pas qu'ils vont voler les yeux des Chines quand même. Non, je pense pas. Bah, je sais pas. Après, on sait jamais, hein, mais peut-être qu'ils vont dire que le Mangekyou Sharingan de Sarada est direct éternel. Il y a Raito qui dit, après le Rinnegan, faut avoir les cellules de Senju. Ouais. Mais c'est pas faux, mais après, dans l'histoire, la suite, moi, je suis persuadé que, tu vois, avec le Byakugo, ce qu'on peut présupposer que... Allez, c'est une théorie, évidemment, mais Sarada aurait peut-être le Byakugo, tu vois, le signe avec le sceau, Ouais. et ce pouvoir de régénération et tout, là. Allez, on peut dire que, bon, ça fait un peu Senju, tu vois. Ouais. D'ailleurs, les gars, en ce qui concerne le Byakugo,
Byakugo. Est-ce que vous pensez pas que le Byakugo de base c'était du Shinjutsu Otsutsuki et que ça appartenait à une branche Otsutsuki qui était du corps médical? Ben, c'est fort possible, puisqu'au début il y avait une piste comme quoi le Kama ça pouvait appartenir à ça. Oui, bah oui. Donc je me dis que ouais ça peut être du Shinjutsu de base. Parce que pour moi, j'en suis sûr et certain, pour moi, Otsutsuki est à différentes castes. Tu vois. Genre, t'as un peu la caste noble, la caste un peu médicale. C'est vrai que Darkos avait fait une théorie aussi qu'il y avait un corps médical, tu vois. Il y aurait une branche médicale chez les Otsutsuki. Moi, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, ça reste théorique, mais j'y crois même pas. Mais c'est vrai que pour moi, le Byakugo, c'est un peu lié quand même au Senju. Alors, c'est effectivement un peu lié aussi au Kama, hein, aux données, mais je pense que c'est quand même lié au Senju parce qu'ils disent que Hashirama peut se régénérer comme s'il avait un saut Byakugo de base. Or, ce saut-là, c'est un peu pour reproduire un effet des cellules d'Hashirama, finalement. Ouais. En tout cas, moi, j'ai bien l'impression que si t'as le Byakugo et qu'en plus t'as le Mangekyou Sharingan, tu réunis un peu les conditions pour t'élever au Rinnegan, hein, pour moi. Après, ce serait pas étonnant qu'elle développe le Rinnegan, vu que déjà, elle a développé le Mangekyou Sharingan à l'espace de... Elle a 12 ans, c'est énorme. Ouais. C'est ce qu'a fait Itachi, en fait. C'était l'âge que Itachi l'avait éveillé, je crois, non ? J'ai un doute. Itachi avait éveillé très tôt. Et il me semble que... Je crois qu'il n'avait pas éveillé aussitôt, en Itachi, le Mangekyou Sharingan. Ah ouais, tu crois ? Moi, j'ai l'impression que le Mangekyou, il a éveillé un peu plus tard. Ouais, si, il l'a éveillé un peu plus tard. Dans le... Je sais plus quand est-ce qu'il a... à quel âge il a éveillé le Mangekyou. Je suis pas sûr. Je pense 15-16 ans. À vérifier. Mais il l'a éveillé quand il a fait les Uchiwa. En tout cas, c'est quand Shisui... Il est tombé de la falaise. Oui, voilà, quand il a perdu son ami. Ouais. Donc, à ce moment-là, Itachi faisait déjà partie des Anbu. Ouais, de l'Anbu, ouais. Et Anbu, je pense qu'il est rentré là-bas vers 14, déjà. À vérifier. Ça, à vérifier, mais ouais. À vérifier. Ouais, à vérifier. Par contre, les gars, est-ce qu'on paraît top 99 de Naruto? Comment? Le spin-off sur Minato. Si tu veux en parler, ouais, pourquoi pas, hein. Et son jutsu secret? Ouais, vous pensez que ça va être quoi? Bah justement, ça t'est dit que ça sera sur son jutsu secret. Ça peut être marrant de voir Minato, c'est vrai qu'on sait pas tant que ça sur ce personnage, parce qu'au final, il maîtrise aussi le mode ermite. Donc je me dis, peut-être qu'il y aura un spin-off par rapport à ce mode ermite, parce qu'il l'utilise à un moment donné. Ah non, quoique il a dit en... Ah, je sais plus. Je sais plus comment ça s'est passé. Je crois pendant la Grande Guerre, il avait dit qu'il ne maîtrisait pas complètement. Ouais. Je crois qu'il avait dit un truc du style. Ouais, mais s'il ne maîtrise pas complètement, et il faut... Comment dirais-je ? T'es censé te transformer en grenouille, tu vois ? Oui, bah oui. Donc... J'ai rien, ouais. Ouais, mais ouais, après, c'est un génie, hein. On sait que Minato, c'était déjà un génie de base. En plus, lui, il pouvait poser un saut pour se téléporter, là. C'était super rapide. D'ailleurs, ça, je crois que ça... Naruto, il savait le faire, hein, normalement, non ? Naruto, il le fait différemment, mais ouais. Oui, il le fait quand il... Ouais. Il a plus jamais fait, en fait, j'ai l'impression, dans Boruto. Par la suite, là, dans les chapitres récents. Non, dans les chapitres... Dans l'anime, je crois qu'il le fait une fois. Ouais, dans l'anime, il le fait. Avec le train pour rattraper le convoi éclair. Il le fait pour rattraper le convoi éclair, mais après, je n'ai pas d'autres exemples. Ouais. Du coup, petite question pour revenir au chapitre 80. Vous pensez que Sasuke il aura quoi après quand ils reviendront à Konoha, Sasuke et Boruto, genre 3 ans après? Parce que Sasuke il va plus avoir de cape, vu que sa cape il la donne à Boruto, son sabre aussi. Moi je pense sincèrement qu'il va perdre son œil. Donc il entraînera sûrement Boruto au sabre. Ouais, il entraînera Boruto au sabre. Il aura plus de sabre, il aura un nouveau sabre, je sais pas. Non, moi je pense qu'ils vont l'entraîner. Et qu'au cours de leur entraînement, il va se passer une perte de contrôle ou je sais pas quoi. Genre, Boruto, il va perdre le... Tu nous entends ? Ah, là, je vous entends, ouais. Ouais. Ah bah, il s'est fait déconnecter. Ah bah. Ouais. Ouais, ce que tu dis, en fait, c'est un peu comme avec Jiraiya, quoi, en fait. Ouais, tu nous entends, Vega ? Ouais. Ouais, bah, en fait, je pense que c'est exactement Makoto. Je pense que ça va faire un peu comme Jiraiya. C'est-à-dire que je pense que, après c'est une théorie évidemment, que Sasuke va se faire crever son œil parce que Boruto va perdre le contrôle à un moment donné, parce que Momoshiki va prendre le contrôle. Et je pense que, il va perdre l'usage de son dernier œil, du coup il va finir aveugle, et du coup il va léguer tout ce qu'il a
à Boruto. Mais il sera toujours en vie. Ouais, puis ça irait avec le personnage. Ouais, pourquoi pas. Alors, gros nerf de ouf. Un mec aveugle. Moi, perso, pour le perso de Sasuke, je le vois toujours mourir. Ah ouais. Je dis tout le temps, je le vois mourir. Et pas parce que j'aime pas le perso. Au contraire, j'adore le perso. Mais je le vois mourir dans le sens où... je le vois mourir de la main de Konoha, en fait. Dans le sens où, de base, Sasuke, c'était... de base, Sasuke, il voulait détruire Konoha. Et il a trahi Konoha parce qu'il voulait détruire. Alors que là, il trahit Konoha, mais pour leur bien, en fait. C'est chaud, quand même. Hein. C'est chaud que Konoha tue Sasuke. Hein. Parce que... À Konoha, il y a quand même Sakura, il y a quand même Sarada. Sarada. Il y a les anciens du clan de Konoha, les Shuji, les Shikamaru. Kakashi en plus, Kakashi qui reprendra peut-être son rôle d'Hokage. Ouais. Je vois trop revenir ça, Kakashi. Kakashi, mais t'imagines, si tu dis que tout Konoha est contre Sasuke, ça veut dire que ces gens-là sont capables de tuer Sasuke sous les yeux de Kakashi le sensei, de Sakura sa femme, de... après, ce sera pas étonnant, puisqu'à l'époque, ils voulaient déjà le tuer. Dans Shippuden. Ouais, bah oui. Konoha voulait le tuer, enfin Kakashi s'était résolu à vouloir le tuer, Sakura aussi. Mais là c'est différent. Il y a du temps qui s'est écoulé, et surtout ils sont mariés, ils ont des enfants. Ouais, mais après si Sasuke pendant 3 ans il est redevenu déserteur et que pour n'importe quelle raison il aurait pété un câble. Franchement, ouais. S'ils ont pas le choix, ils ont pas le choix, tu vois, genre de tuer Sasuke. Et perso, je trouve qu'en vrai, cette mort serait une mort, la plus belle mort pour le perso, en fait. Ouais. Tué par Konoha. Moi, je trouve que c'est pas qui va mourir. Sinon, il aurait pas nerfé à ce point-là. Ce serait une mort dégueulasse. Au moins, qu'il meure par code, qu'il meure par quelqu'un d'autre, je veux bien, mais par les mains de Konoha, ce serait triste, tu vois. Ouais, je vois même pas de combat final. Mais Code il est nul aussi. Ouais, mais quelqu'un d'autre, tu vois. Pas Code, mais peut-être un méchant, je sais pas, un autre méchant ou un autre Sasuke, je sais pas qui, mais quand même, Sasuke mourir de la main de Konoha. Et qui de Konoha? Ça veut dire c'est un random alors. À moins que ce soit Kakashi ou. Non, mais peut-être qu'il va se faire tuer par Nishi, hein, peut-être. Nishi va peut-être tuer Sasuke après. Nishi. Le ninja, Nishi. Détecteur de chakra. Nishi, il se fait one shot, lui. Laisse tomber. Ah non, mais Nishi, c'est le pire shinobi. Hein. Ouais, ouais. Ah, je sais pas trop. Hein. Je pense que Konohamaru, il est pas loin. Parce qu'on voit souvent, mais il fait de la merde. Ouais, j'avoue, dans Boruto, c'est bon, Konohamaru. Ce Nishi, on s'attend à rien. On se dit, bon, c'est normal, c'est un random. Mais lui, là, Konohamaru, on s'attend à des choses. De ouf. J'espère qu'il aura un mode ermite des singes où il utilise le bâton et le poing américain d'Asuma super bien et tout. Oh, j'aimerais bien. Oh, ce serait tellement classe. Hein. Salut Blessing, j'ai vu ton salut. Salut Blessing. Salut Ryokyol aussi. Comment ça va Ryokyol? Bah, si tu veux rejoindre aussi, si t'as vu Boruto, Ryokyol, n'hésite pas, hein, le live est ouvert. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, la mort de Sasuke. La mort de Sasuke, on était en train de débattre à propos de ça. Ouais, moi j'y crois pas, il aurait pas nerfé. Pourquoi nerfer Sasuke alors du coup si c'est pour le tuer Après, peut-être qu'il nerfe les personnages pour les tuer. Enfin, peut-être qu'il les nerfe pour avoir une raison de les tuer, tu vois. Ce serait une mort à petit feu. Oui, c'est ça. Ouais, parce que du coup, ils se sont plus aptes à combattre des grosses menaces maintenant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi je suis prêt à... Moi je mise beaucoup sur le parallélisme, tu vois. Et je pense que peut-être Sasuke va mourir, mais bien plus tard. Ouais, après déjà que Boruto, ils sont bien forts. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens sur Internet qui pensent à la mort de Sasuke. Je me rappelle, la dernière fois, on avait invité... comment il s'appelle? Ouais, j'ai oublié son nom. Mais il avait dit... Lui, il était persuadé qu'il allait mourir. Donc là, il est toujours pas mort, d'après ce que je vois. Ah, je crois que c'était Kyuga, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Kyuga. Il a dit, ouais, dans un chapitre ou deux, il est mort. Donc je suis là pour relever quelques théories ratées pour me mettre en avant. Ouais, il y a plein de théories ratées et fumeuses sur Internet que j'ai vues sur Boruto. Genre, comme quoi Boruto, il allait retourner dans le passé 16 ans avant. Ça, on le sait pas encore. Peut-être dû en entendre parler. Ça, on le sait pas encore. Hein.
Ça, on le sait pas encore. En vrai, ah bah, pour tacter, moi perso... Si, on t'entend. Ouais, vas-y, Makoto, vas-y. Ah, il est parti. Ah, si, il est là. T'es là. Makoto, tu nous entends ? Ouais, je vous entends. Vas-y, Vega. Vega ? Il est là, mais il nous entend pas. Bizarre. Ouais, t'étais sur le point de dire un truc, je crois. Ah oui. Oui, c'est vrai. Je disais, pour moi, en vrai, la théorie Retour Carton dans le passé, je suis pas trop fan, perso. Mais pour moi, ils vont... Pour moi, il y aura un retour dans le passé d'un perso, mais pas forcément de Boruto, tu vois. Non, pour moi, il n'y aura pas de retour dans le passé. Ça, c'était juste fanservice. Ouais, mais en fait, pourquoi nous avoir dit que Adèle n'est pas retourné dans le passé si ce serait pas pour utiliser ça, tu vois. En tout cas, cette théorie, elle est toujours possible, parce qu'on ne sait pas hein, la suite, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le fait que Ada dise « Je n'utiliserai plus mon Senrigan pour vous traquer », pour moi, il y a peu de chances qu'il retourne dans le passé, tu vois. Là, ils peuvent rester dans le présent. Ah oui, pour ça, maintenant. Oui, bah oui. Maintenant, ils peuvent rester dans le présent, voilà. Mais se doit lier de Boruto. Elle veut pas... Mais elle est un peu triste de ce qui lui arrive, quoi. Je pense qu'elle n'est pas alliée à Boruto. Je pense qu'elle reste toujours avec Kawaki. Ah oui, elle est amoureuse de Kawaki. Mais elle va faire genre, ah non, je sais pas où il est, j'arrive pas à le voir, ils sont cachés, tu vois. C'est ça, ouais. Mais par contre, pour le Senrigan d'Eida, est-ce que ça marcherait pas un peu comme l'Izanami, dans le sens où elle peut utiliser son pouvoir qu'une fois, tu vois. Son pouvoir qu'une fois pour... exaucer le vœu ou l'omnipotence ou pour regarder tout ce qui se passe pour exaucer le vœu. Exaucer le vœu, je sais pas. Je pense elle le fait inconsciemment. Ouais, elle le fait inconsciemment, mais je pense que oui, elle peut le faire qu'une seule fois. C'est-à-dire que... Mais qu'une seule fois pour elle, pour une personne, je pense. C'est-à-dire que... Après, c'est une théorie, évidemment. C'est-à-dire que là, elle a fait une fois pour Kawaki. Donc Kawaki ne pourra plus réutiliser l'omnipotence. Parce que, en théorie, c'est le même souhait qu'il aurait inconsciemment, tu vois. Oui, bah oui. Pareil pour Ada. Son truc initial, c'était de trouver le grand amour, et du coup, ça s'est produit. Mais je crois que ça s'est déclenché au contact d'Ada. Donc, on peut présupposer que les gens qui entrent en contact physique avec Ada bénéficieront d'un souhait, l'omnipotence. Mmh. C'est théorique, évidemment. Mmh. Ouais, je pense. Et pour revenir pour vite fait sur le retour dans le passé, là Kishimoto il veut clairement s'écarter de l'ancienne génération avec Naruto scellé. Et on revient sur le premier épisode. Ce que dit Kawaki à Boruto, quoi, il va aller rejoindre le 7e Hokage. Pour lui, pour Boruto, il est mort, Naruto. Donc Kawaki en disant ça, si Naruto est toujours scellé, tant qu'il a dit que Naruto sera toujours scellé. Donc que Boruto sera toujours en vie. Du coup, on a l'explication du premier chapitre. Ouais. En fait, ça parle des deux. Et aussi, quand il dit je vais devenir un ninja là, à un moment donné, je suis toujours un ninja. Là, on a un peu la référence aussi dans ce chapitre. C'est ça, exactement. Quand il dit je reste un shinobi, en gros, j'ai toujours la volonté du feu. Je veux toujours protéger le village. Je considère les autres comme ma propre famille. Du coup, on peut même présupposer que s'il dit je reste un ninja, ça voudrait dire que l'auteur de la destruction de Konoha, ce serait peut-être Kawaki. Puisque Boruto aurait le rôle du défenseur, c'est-à-dire que l'attaquant est devant lui, en face. Mm. Et que quand Kawaki dit « l'ère des shinobi est terminée », en gros, c'est l'ère des shinobi, c'est moi qui l'ai détruit. C'est exactement possible. Ouais, c'est peut-être possible. Après, les gars, est-ce qu'à la fin de Boruto, pour vous, le shinobi, que ce soit les Kage et tout ça, est-ce que ça va être en place? Non, pour moi, c'est la fin. Pour moi, ça va disparaître. Ouais, pour moi aussi, ça va disparaître. Il n'y aura plus de Kage après, je pense. Vaut mieux avant que l'homme élu Hokage soit Konohamaru. C'est ça. Ils se sont dit non, on arrête ce concept, il est pas bien. Konohamaru. Ah, ça suffit. Mais après. Konohamaru. Vas-y. Non, mais pour moi. Ah ouais, peut-être. Peut-être que Konohamaru va peut-être utiliser l'omnipotence pour peut-être devenir plus fort. Il y a moyen, non? Konohamaru va utiliser l'omnipotence pour devenir plus fort, tu penses? Non, mais c'est je troll. Mais non, il est trop bête, lui. Il est trop bête. Ouais, quand il s'approche de Ada, il tombe dans les pommes. Donc il a. Et il était tombé des escaliers et tout là. Mais non, ouais, je sais que tu trolles. Mais bon. Après, je troll aussi à ce niveau-là pour Konohamaru. Oui, non, mais. Même avec l'omnipotence, il n'y arriverait pas, tu vois. Konohamaru, c'est le Yamcha de Boruto. Ouais.
Moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen pour qu'il redevienne fort. C'est grâce à l'omnipotence, il fasse le souhait. Fais-moi redevenir petit. Parce qu'il était plus fort quand il était petit. De ouf. Non, mais bon, on se fout de sa gueule. Mais peut-être qu'après, il va nous surprendre. Hein. Peut-être que dans... Ah, mais, ouais. Ah, mais Konohamaru, moi, c'était mon perso préféré de Naruto. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Moi, c'est mon préféré de Boruto. Non, je plaisante. Vas-y, pourquoi... Attends, je vous laisse juste deux secondes. Je vais prendre de quoi boire. Je vous laisse. Vas-y. Ah, pas de soucis, vas-y, vas-y. Et sinon, Vega, tu penses quoi du... Du quoi? Ouais, non, je disais, tu pensais quoi du cas de Imawari? Tu penses qu'elle va avoir un grand rôle ou pas? Ouais, j'avais totalement oublié Imawari. Bah, comme dans le manga, hein, ils l'ont complètement oublié. Et Boruto, il a aucun rôle. Ouais, j'avoue, ils l'ont oublié dans ce chapitre, hein, donc on sait pas comment. Ah, c'est Boruto. Boruto, même pas, il dit au revoir à Imawari. Hein. Imawari. Et... Ah oui, clairement. Parce que Ada fait la messagère, il dit ouais, Sarada, dis-lui que je remercie machin chose, mais Imawari, rien. Mais après, on sait pas si Imawari va être prise dans l'omnipotence aussi ou pas. Après, peut-être qu'elle est pas prise, peut-être qu'elle peut. Après, est-ce que vous imaginez que dans. On a une espèce de racine, entre guillemets, qui servirait d'espion, tu vois. Genre, t'as une petite organisation, Mire, Sarada, Imawari. À l'intérieur de Konoha, qui servirait un peu d'espion pour Boruto. C'est possible, c'est peut-être possible. En tout cas, il y en a un qui est pas content, c'était Moshiki dans le chapitre, il était pas content. Ah oui, il était énervé. Ah oui, lui, il pensait que Boruto il finirait seul et finalement il se trouve des alliés. Donc, Ouais, parce qu'il s'est fait un plan. Hein. Parce que tu sais, si tu fais attention dans les chapitres précédents là, Momoshiki il était mort de rire à un moment donné. Même Boruto, Boruto il disait ouais, mais pourquoi tu rigoles, t'as l'air bien de bonne humeur et tout. Tu vas tout perdre. Il s'est dit ah, c'est le bon moment, je vais prendre le corps et tout. Et au final, boum, rien. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait une volonté comme ça. Par contre, je sais pas si vous avez cette même sensation, mais pour moi, dans ce chapitre, Momoshiki je l'ai vu comme un clown un peu. Ouais. Comme quoi? On va dire. Comme un clown, autant dans les autres chapitres. Ah, ça coupe, hein. Je sais pas si Vega, t'arrives à entendre Makoto là. Non, ça coupe aussi. En termes de réseau, je pense. Ouais, vous m'entendez? Ouais, j'ai juste entendu que tu trouvais que l'autre était un clown là. Ouais, que Momoshiki c'est un clown, dans le sens où de base il dit. Ouais, ça recoupe, hein. En fait, tu dis que Momoshiki est un clown, mais après on sait pas pourquoi. ça veut pas dire. Non, mais. C'est bon, vous m'entendez là? Ouais. Là, ouais. En fait, quand Momoshiki disait, ouais, tu vas tout perdre, Boruto, tu vas tout perdre. Et là, il y a l'air un peu con, tu vois, parce que bah, à son plan, il tombe un peu à l'eau, tu vois. Bah, ouais. Bah, c'est vrai que bon, t'as raison, quand il passe pour un clown, c'est vrai que là, tout ce qu'il avait prévu, ça a foiré. Mais c'est aussi la grande force de Boruto, parce que ça a volonté. Et c'est intéressant aussi ce que dit Anthony 15 dans le chat. Il dit, vous pensez qu'il va vouloir se venger de Boruto à la manière de Sasuke avec Itachi? Ah, peut-être. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant de voir une Imawari vouloir tuer son propre frère. Enfin, son vrai frère. Très gigatri. Si elle pense que Kiyawaki, c'est son vrai frère, et que du coup, Boruto, le tueur de Naruto, il y a moyen. En fait, s'ils font ça, là, je vais peut-être me mettre déjà à dos, mais en vrai, s'ils font ça, Boruto et Imawari, celle de Naruto, de Sasuke et de Itachi, en fait. Dans le sens, Boruto et Imawari, on les a vus créer une complicité, vraiment, cette complicité de frères et sœurs, tu vois. Ouais, ce serait déjà très fort de voir Imawari s'entraîner dur dans l'intention de tuer Boruto. Rien que ça, c'est déjà énorme. Ah, clairement, ouais. Après, faut voir une fois sur place si elle va arriver jusqu'au bout et vouloir vraiment tuer son frère. Parce que je rappelle qu'elle a quand même vécu pas mal de temps avec Kawaki de base. Donc, tu vois, c'est compliqué. Mais ce que je peux constater aussi, c'est que Sasuke, il commence à constater que Boruto... est vraiment Boruto. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis la preuve que quand Ada l'appareil qui déballe tout... Il y a des éléments qui fait que, tu sais, quand il se remémore de certaines choses, il, par exemple, à un moment donné, là, il courait dans la forêt avec Boruto et il disait « Kawaki, dans le passé, je me souviens que la première fois que je l'ai vu, il est venu me voir pour me prendre pour disciple et il a vite appris le Rasengan. » Tu vois? Donc, en théorie, si Imawari vit au quotidien avec Kawaki, au bout d'un moment, elle est censée se rendre compte que bah c'est bizarre, tu ne fais pas de Rasengan. C'est bizarre, tu utilises des techniques différentes.
ça. T'as plus le même comportement. Ouais, t'es plus pareil, tu discutes pas de la même façon, t'es, tu vois. Mais Ouais. après, c'est compliqué parce que rien que sur le comportement, Kawaki peut quand même se justifier. Dans le sens où, tu sais, d'habitude, Kawaki parle pas beaucoup, alors que Boruto, il fait fanfaron souvent. Et que là, si Kawaki il se comporte comme avant, bah, il peut toujours trouver l'excuse. Ouais, mais depuis que Boruto a essayé de me tuer, je suis plus le même, tu vois. Ouais, puis il a aussi la perte de son père, entre guillemets, la perte de Ouais, Naruto, tu vois. en Il peut jouer plus. là-dessus aussi. Donc ça peut encore s'excuser, ça peut encore se, tu vois, trouver l'excuse. Mais c'est vrai que dans le quotidien, il y a peut-être certains trucs que tu peux trouver bizarres, tu vois. Je sais pas, c'est, ils vivent quand même sous le même toit, tu vois. Donc en théorie, Imawari est quand même censé détecter que Kawaki n'est pas le vrai, n'est pas Boruto. C'est ça, et puis en plus, là, il va se passer 3 ans où elle va vivre avec. Donc une bonne ellipse quoi. Donc ça, Sarada va passer 3 ans aussi où elle va faire semblant que du coup Kawaki est Boruto, enfin du coup que Kawaki est le fils de Naruto. Donc ça va être bizarre, enfin ça va être bizarre là. Ouais, clairement, parce que même, tu vois, je prends par exemple l'exemple de Shikadai et des autres, souvent ils viennent pour jouer aux cartes avec Boruto. Donc là, en théorie, ils sont censés quand même venir pour jouer avec Kawaki, ils dire viens, on joue aux cartes, tu vois. Et là, Kawaki va se comporter différemment, il va faire non, c'est nul et tout. D'habitude, quand il est chez lui, Boruto, il joue souvent à sa console. Tu sais, c'est son espèce de Game Gear, là, de... De Game Show, ouais. Voilà, et là ils vont faire bah alors tu joues plus à rien, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois, même sur ses plats préférés. Moi je sais que Le burger. voilà, lui il aime bien le burger. Il va voir que en finale, Kawaki il fait que de bouffer des Kawaki il aime pas, il aime bien les espèces de poissons pâtisserie là, je sais plus quoi Ouais, les là, takoyaki, là. takoyaki, ouais, je sais plus c'était quoi le nom. Voilà, bah ils vont faire bah c'est bizarre, il bouffe que ça alors que d'habitude, il mange des burgers, tu vois. C'est, tu sais, c'est un peu comme si Naruto, il mangeait plus chez Ichiraku des ramen, tu vois. Qui kiffe. Oui. Et que tu le ramènes là-bas, il bouffe, il fait, ouais, c'est pas ouf, j'aime pas trop ça, en fait. Tu vois, ça fait trop bizarre, tu vois. Kaki fait, ouais, mais tu sais, même le cuisseau, il va faire, Naruto, qu'est-ce que t'arrives? Mais ouais, mais je pense franchement qu'ils vont pas le faire au tout début, je pense, parce que du coup ça voudrait dire qu'il faut au moins un chapitre entier sur ça, parce que pour mettre ça en place, c'est ah salut Laito, Salut salut. Raito. Salut Raito, ça va? Ça et vous? Ouais, ça Ouais. va. Bah voilà, on te laisse te présenter avant, parce que peut-être que des gens te connaissent pas. Ouais, bah du coup moi c'est Raito, je fais des vidéos sur YouTube sur plein de mangas, Boruto, One Piece, Black Clover, Fairy Tail, Eden Zero, enfin j'en passe sur plein de trucs. Surtout que là j'ai repris plein de reviews sur Jujutsu Kaisen, sur MHA et tout, donc. Ouais, il enchaîne tous les mangas, c'est incroyable. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Ouais. Là, vous avez vraiment du contenu, vraiment La sur cadence beaucoup de de fond. mangas. Ouais. Là, Du vous avez. contenu vide, vu qu'il y a 3 vidéos One Eh mec, Piece. Boruto, en comptant ce live, ça c'est la 6e vidéo. Ouais, j'ai vu sur Twitter. Ouais. Je suis au niveau Bah, moins 2 là. après, quand t'as des chapitres comme ça, c'est normal, en fait, j'ai envie de dire, de faire plusieurs vidéos pour en parler. Enfin, Bah oui. parce qu'il y a à la des limite, choses. sur un petit chapitre, c'est pas, voilà, tu vois, c'est pas forcément utile, mais là, on a quand même le chapitre avant l'ellipse, forcément, voilà. Ça veut Ouais, dire qu'il y a du contenu, il y a du contenu. mais par contre, les gars, je sais pas vous, mais moi, perso, en lisant chapitre, j'ai eu vraiment un Naruto, tu vois. La fin de la première partie de Naruto, en fait. Ouais, bah, c'est dans la même idée, de toute façon. Là, pour moi, honnêtement, le prochain, de toute façon, ça va être l'ellipse. Hein. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire la pause maintenant. Je pense Ouais, que non, clair, hein. je pense que même Ça va être l'ellipse. le prochain chapitre, c'est d'emblée, hein. T'arrives, ils sont direct grands, je pense. Ouais, je pense Ah c'est ça. oui, Ouais, à mon clairement. avis, première page, on va aller voir, genre adulte. Je sais pas si ouais, du côté peut-être du côté de Kawaki, genre voir d'abord au village ce qui se passe. Ou alors d'abord, ouais, je pense d'abord village et après Boruto, peut-être. Peut-être Boruto à la fin hein, avec Sasuke pour montrer comment ils ont Ouais, bah à changé la fin les. du premier chapitre après l'ellipse, peut-être, ouais. Ouais, je pense aussi, ouais. Oui, qu'on le voit quand même, parce que c'est que faire un chapitre sans Boruto, ça pourrait. Voilà, mais. Et je vois bien Kawaki, du coup, en tant que enfin, fils du Kage maintenant, prendre un peu contrôle de Konoha dans tout ce qui est politique. Ouais, après, ça ferait bizarre, parce que eux, ils ont quand même la. Enfin, pour eux, c'est toujours le Boruto d'avant. C'est-à-dire, ça fait bizarre, ça ferait un gros contraste entre celui qu'il y avait avant et celui qu'il y a actuellement. Sachant C'est que la vrai. vision de Kawaki qu'ils ont. Enfin, du Kawaki Uzumaki,
C'est celle de Boruto d'avant, donc ça ferait un gros contraste quand même. C'est vrai, mais peut-être que du coup, je sais pas, mais je vois, bien que Kawaki. Pardon, t'allais dire. Non, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire, je vois bien Kawaki de vouloir essayer de contrôler de plus en plus les choses. Bah, en fait, Kawaki, qu'est-ce qu'il va faire techniquement? Il va pas retourner chez Naruto puisqu'il y a plus Naruto et il veut tuer Boruto qui est pas dans le village, donc en soi. Enfin, ça lui sert à rien de rester dans le village, autant qu'il se casse du village, non? C'est ça, dans la logique, il devrait se casser aussi, mais... Moi, ça me... que Eida mais... va pas lui indiquer la position de Boruto, en plus. Elle a dit qu'elle le ferait pas, donc... Après, moi perso, je sais pas vous, mais moi... Ça coupe. Ouais, ça a coupé. Ouais. Pauvre Makoto, il se fait tout le temps couper par les technologies. C'est Kawaki, Kawaki qui le... Ouais. Il veut contrôler ça aussi. C'est ça. Mais après, du coup, moi, j'aimerais bien Kakashi au Take. Oula. Kakashi au Kage. Ouais, moi aussi, bah oui, qui reprend son poste. Moi, je vois bien Sakura, moi. Mais en fait, le truc, c'est que Kakashi, on l'a pas vu du tout dans Boruto. Dans le... Je parle pas de l'anime, je parle du manga. Dans le manga. Je pense que ça serait une bonne occasion de l'introduire dans le manga. Effectivement. En tant que 6ème Okage. Même en tant que 6ème Okage, on l'a vu que très peu dans l'anime. Ouais, mais ça ferait un peu comme Hiruzen. Le troisième Okage, il était Okage, il a laissé sa place à Minato, et quand Minato est mort, il a repris le flambeau. C'est ça exactement. Mmh. Ouais, c'est pour ça que je pense que Kakashi redeviendra. Je pense pas qu'il y aura un nouvel Okage après Naruto. Moi, je pense. Si on a Konohamaru, oh la fraude. Oh non, c'est pas possible. Oh la fraude. Lui, il aura vraiment, mais vraiment, pas mérité quoi. Mais non, moi. Kawaki, je le vois pas prendre le rôle de Okage. Même pour succéder à Naruto, parce que je vois pas Kawaki rester dans un bureau à attendre. Ah non, il pèterait un câble. Ouais, ce serait bizarre. En vrai, ce serait bizarre. Donc du coup, ouais, à part Kakashi, Sakura, je pense pas. Enfin, elle est plus médecin, donc si elle doit gérer le côté médecine, elle peut pas trop se permettre de... Bah si, en fait, moi je pense. Parce que Sakura, c'est un peu l'équivalent de Tsunade, tu vois. Ouais, mais c'est quasiment le seul médecin du village. Les autres, ils sont nuls. Ouais, c'est le médecin, bah ouais. Ouais, j'avoue. Il y en a d'autres. Après, Tsunade pour reprendre du service en tant que médecin, mais bon. Non, en tant que médecin, ouais, mais elle est trop médecin, âgée. Pas Okage, ouais, médecin. Après, pour le cas de Kakashi, moi, je le vois bien fini. Ah. Genre, en avoir tellement marre du poste de Okage... Non, on t'entend plus. On t'a entendu dire Kakashi en avoir marre du poste de Okage. Ouais, c'est ça. D'après, c'est que Kakashi, ça l'intéresse pas vraiment d'être Okage. Ça l'intéresse pas, mais quand il était Okage, il faisait son taf. Hein. Ouais, après, on l'a pas trop vu dans son rôle de Okage finalement. Non, on l'a pas vu, mais il était assez sérieux. Dans le film The Last, par exemple, tu vois, il prenait la. Ouais, après, on l'a pas beaucoup vu dans le film The Last, il était sur la Lune. La plupart du temps, c'était sur la Lune. En fait, le Kakashi Okage, on l'a juste vu dans les deux romans, de Kakashi. Et je crois, à un moment, il y avait. Ah, ça recoupe, hein. Il a dit, à un moment donné. Ouais. Et là, on n'entend plus. De quoi ? On t'a entendu dire à un moment donné, et après, ça a coupé. Bah, en gros, Kakashi, on le voyait. Enfin, on l'a juste vu. Bon. Ça recoupe. Ouais. T'entends pas, Makoto ? Kakashi, on l'a revu, mais toi, on te voit plus, du coup, Makoto. Ouais, c'est bon là. Ah, ouais, c'est bon. Bah, en fait, on t'entend juste le début, et après, ça recoupe. Là, c'est bon, on t'entend. Ouais. Attendez, je reviens. Ok. Shikamaru, je pense qu'il est bien dans son rôle de conseiller de Hokage. Non, il va rester. Il restera conseiller, à mon avis. Imaginez Shikamaru conseiller de Kawaki en Hokage. Ouais, ce serait. Sans savoir que c'est celui qui, justement, contre qui il avait pas confiance et tout. Et finalement, il avait raison de pas avoir confiance, du coup. Oui, c'est vrai, au final. Toutes ces années, on l'a critiqué en mode c'est bon, Shikamaru, t'étais plus intelligent que ça. Bah, non, en fait, il avait raison. Shikamaru, à la hauteur de sa réputation, le mec le plus intelligent du village. Ouais, là, c'était plus de la méfiance que l'intelligence en soi. L'homme le plus intelligent actuellement dans le village, c'est Amado. Et il est toujours là. J'avais oublié Amado. Ouais, Amado, j'avoue que... Son but à Amado, c'est de récupérer Boruto, maintenant. Parce que là, il y a une autre question que je me posais. C'est Imawari, on l'a pas revu, du coup. Oui. Non, on l'a pas revu du chapitre. Donc, peut-être c'est fait exprès pour laisser le suspense. Est-ce qu'elle a été touchée? Est-ce qu'elle a pas été touchée? Elle a été touchée, je pense. Ouais, mais dans ces cas-là, ça veut dire que si elle a été touchée, qu'est-ce qu'elle va faire, finalement? Parce qu'on nous a dit un potentiel... Si elle a été touchée, elle va rien faire, elle va rester au village et... Justement, ce qu'on disait dans le tout avant que t'arrives, c'est que peut-être qu'Imawari, justement, là, elle a la rage contre Boruto, parce que Boruto a tué ses parents, il a trahi,
Donc du c'est coup, ça qu'ils sont considérés comme morts, c'est vrai. Ouais. Et du coup, Imawari serait encore plus motivé, encore plus déter pour s'entraîner, pour se venger. Et du coup, ça ferait un parallèle entre Imawari et Sasuke qui veut aller tuer Itachi. Mais en vrai, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Tu vois, alors qu'Itachi, bah, il est gentil. Itachi, il veut protéger son frère. Tu vois, bah là, ce serait pareil. Boruto, il voit Imawari rager sur lui, et il sait que c'est sa sœur, il veut la protéger. Mais Imawari, elle y voit que du feu, donc elle aura la rage jusqu'au bout et elle va se déchaîner sur. Le truc, c'est que justement. Ouais, après, est-ce qu'ils vont annoncer à Imawari que ses parents sont morts ou est-ce qu'ils vont essayer de dire ouais, tes parents ils ont disparu ou. Bah, tu t'en rends. Je pense qu'ils vont être honnêtes. Voilà. Ouais, tu le vois au bout de 3 ans, ils sont partis où. Ouais, bah, après, c'est après l'ellipse, oui, du coup. Mais... Parce que bon, ouais, 3 ans. Et dans, ouais, et dans tout ça, ta code. Ouais. Voilà. Ta code, oui, on sait pas non plus ce qu'il va faire pendant 3 ans. Parce que lui, à part créer des mini-joubis... Il nous a feinté, là, hein. Il nous a feinté, hein. Quand ils disent, ouais, j'ai 1000 mini-joubis. T'essayes d'en faire combien? T'essayes d'en faire 100 000, c'est ça, en fait. Bah, c'est un peu comme c'est des sortes de 7 sous, mais en plus fort, quoi, en fait. Hein. En plus, il parle, non? Ouais, il parle, les... Ouais, il parle. Bah, les Zetsu parlaient aussi, après. Oui, effectivement. Comment expliques-tu que Kakashi et Obito n'ont jamais perdu la vue? Par rapport au Mangekyou Sharingan éternel. Non, ils ont jamais eu le Mangekyou éternel. Parce qu'en soi, ils sont pas fait greffer des yeux, c'était la même paire d'œil. Oui, c'était la même paire d'œil, mais du coup... Mais après, dans tous les cas, ils l'ont pas éveillé longtemps, le Sharingan. Ils l'ont pas utilisé beaucoup, le Mangekyou, finalement, aussi. Hein. Oui, ils l'ont pas... Et même après, quand Obito les a donnés à Kakashi, a donné son deuxième œil à Kakashi, même les deux, parce que Madara lui en avait pris un, bah finalement, il l'a perdu direct après. C'était un usage unique, donc... Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça a pas laissé. En fait, c'est l'utilisation répétée du Mangekyou qui te fait perdre la vue. C'est pas genre dès que tu l'as, tu perds la vue. Surtout que il l'utilisait à moitié, parce que Kakashi l'utilisait. Plus, ouais. Du coup, quand Kakashi il a récupéré les deux yeux, normalement, il est censé avoir un œil qui voit mieux que l'autre. Par contre, je me dis un truc. Quand Kakashi il utilise son Mangekyou pour absorber les explosions de Deidara, ouais, ça veut dire que genre les explosions elles allaient dans le truc spatio-temporel de Obito en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Il devait pas comprendre pourquoi il avait des explosions. Imaginez, Obito était dedans cette dimension à ce moment-là, imaginez. Ouais. C'était trop drôle. Non, mais après, le truc, c'est que il me semble que quand Obito il va dans l'autre dimension aussi, bah l'autre dimension, elle est énorme. C'est-à-dire que... Ouais. C'est-à-dire que t'apparais, mais pas à l'endroit où l'autre se situe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, si t'as un monde à l'envers, bah au niveau du monde à l'envers, par exemple, si t'es à Konoha, et que toi t'es, je sais pas, au village du Raikage, bah s'il y a une explosion au niveau de Konoha, bah c'est très loin dans ton autre dimension. Ouais, mais par c'est exemple, quand ils avaient téléporté une partie d'Obito dans la dimension, bah genre Kakashi avait atterri pile dessus. Et pourtant c'est censé être grand. Ouais. C'était scénaristiquement en fait. Non, après je pense qu'aussi, quand tu arrives dans l'autre dimension, tu peux choisir où tu atterris. Et quand tu passes d'une dimension à une autre, tu peux choisir le lieu où tu atterris. C'est ce qui lui permet de se téléporter au final, tu vois. Par exemple, si dans le monde réel, t'es au village du Raikage et que tu veux aller dans le village de Konoha, il suffit de basculer dans l'autre monde et puis rebasculer dans le monde réel et choisir ta destination. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, après, ouais. je chipote un peu, hein, tu sais, finalement. Il y a le scénario qui fait que bon, tu peux te téléporter, mais voilà. Après, il y a toujours le scénario qui va jouer un petit peu, mais. Ouais, voilà. Non, mais bon, après, c'est ça, hein, le Mangekyou Sharingan aussi de Sarada. Moi, je disais que par rapport à Obito, tu voyais que par rapport à son identité, sa personnalité, ses capacités, tu sentais plus ou moins que ça coïncide avec son identité, tu vois. Le fait qu'il soit invisible, transparent, perméable. Tu sentais déjà qu'à la fin, quand il se faisait ensevelir sous les rochers, qu'il vivait que dans l'ombre avec Madara... qui voyait Rin se faire tuer dans l'ombre, ouais, il était déjà un peu invisible, donc ça collait avec sa personnalité, son pouvoir de Mangekyou Sharingan. Quand tu vois... Justement, parce que après vous en avez peut-être déjà parlé tout à l'heure, mais maintenant, quelle technique va avoir Sarada avec son Mangekyou aussi? Ouais, bah moi je pense que... Chaque Mangekyou a sa propre particularité, donc... Moi je vois bien un truc en rapport avec la protection, en fait. Protection? Moi je prends un truc par rapport à la modification de la réalité. C'est-à-dire que... Bah, après ça, les Uchiha en sont déjà un petit peu capables de modifier un peu la réalité ou les souvenirs et les... Ouais, ouais, ouais. Après peut-être...
peut-être un pouvoir adapté pour contrer ce pour contrer un peu l'omnipotence en fait. Bah, disons, ouais. Moi, je pense qu'à la fin du manga, enfin, je vois pas le manga se finir sans que le sort de Aida soit annulé de toute façon. Oui, non, mais oui, moi non plus. Au moins qu'ils veulent faire vraiment un bad ending, mais je pense pas non plus. Je pense que t'as raison, Ray. Mmh. Après, on sait pas comment ça va se finir. Hein. Est-ce qu'il y aura une suite ? Je pense pas. Ah, j'y crois pas. Il y a beaucoup de gens qui font une théorie comme quoi il y aurait Saruto. Saruto, ouais, oui. Mais bon, ça c'est juste. Non, voilà, mais trop. Je pense pas que les mangas en général qui marchent bien ont une suite, mais ils en ont rarement une autre qui est une suite de cette suite. Ouais, regarde Shaman King par exemple. Ouais, d'accord. Shaman King, c'est vrai que si, ouais. Mais après, Shaman King, Flower, c'était un manga court finalement. C'est un manga court, mais. Ça fait 6 tomes, du coup il y a eu Superstar derrière, mais si tu combines Superstar plus Flower, ça fait quand même moins de tomes que Boruto. Ah oui, clairement. Mais donc, ok, il a fait une suite d'une suite, mais c'est parce que déjà sa première suite était quand même très courte aussi. C'est vrai, non mais après, quand c'est bien fait, ça vaut le coup, mais je pense que... Ah, après, moi honnêtement, quand je kiffe un manga, plus longtemps il dure, mieux c'est, donc je vais pas dire non. C'est comme Fairy Tail, honnêtement, je suis content, il y a la Fairy Tail à quai de 100 ans, s'il y a une suite derrière, je suis content, donc... Après, il se peut qu'il y ait une suite, hein. T'as bien Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ouais, Dragon Ball GT... Le manga, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est juste Dragon Ball, donc... Après, tant que la suite est respectée, ça va en fait. Enfin, tant qu'elle reste Boruto, la suite pour moi, c'est excellent. C'est... Ah, mais c'est clair, pour moi, c'est l'une des meilleures. Hein, avec, J'ai vu justement un tweet de Darkoz qui parlait de sa vidéo, du fait que, ou du chapitre, je sais plus, qui disait qu'il y avait pas mal de choses vraiment mauvaises dans le chapitre. Celui-là ? Ouais. Ah ouais, moi j'ai pas vu sa vidéo. Attends, je vais essayer de retrouver le tweet. Non plus, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Oh là je vais vous lire le tweet si je le retrouve. Mais ah oui. Voilà. Je suis. Alors voilà, il a dit je suis bien malade depuis quelques jours, mais j'ai hâte de vous parler du dernier chapitre de Boruto. Des choses très cool et des choses vraiment pas bonnes. Bon après, voilà, tout est subjectif. Pas bonne pour lui du coup. Maintenant, je sais pas de quoi il va parler ou qu'est-ce qu'il a pas aimé. Déjà, il va parler d'Imawari, obligé. C'est vrai que Boruto, finalement, il a pas dit au revoir à Imawari, il y a même pas trop pensé. Il a même pas dit à Aida de. Ça, c'est pas dommage, par contre. Ça, c'est vraiment dommage. Il aurait pu dire à Aida, veille sur ma sœur, ou voilà, ou je sais pas, ou. Parce que Imawari, finalement, qu'est-ce qu'elle va devenir Comme je fonce à elle a plus de parents, moi, pour moi, elle va retourner chez. Chez son grand-père, hein, le père de Hinata. Hein. Ouais, elle va s'entraîner. Avec Anabi d'ailleurs. Ouais, bah oui. Chez les Yuga. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, bah, elle va s'entraîner avec les Yuga. C'est pas Kawaki qui va la garder, je pense. Ouais, non. Non, je pense aussi. Hein. Je pense que Kawaki, il est même possible qu'il se barre. Éventuellement, Konohamaru qui récupère Imawari, mais... Elle va devenir encore plus faible hein, si elle est avec Konohamaru. Ils expliquent comment le changement d'âge. Elle va renoncer à être ninja. Comment ça, le changement d'âge. Parce que Kawaki est plus vieux que Boruto de base. Et là. Ouais, mais après physique. Ouais, après, pour eux ils vont juste prendre l'âge de Boruto qu'il avait de base et voilà. Ça se joue à quoi 2 ans près max. Ouais, 2-3 ans. Ouais. Ouais, on va dire qu'il n'y a pas un énorme écart non plus. C'est sûr que non. Si c'était quelqu'un de 35 ans ou 40 ans à la place de Boruto. Il y aurait un petit problème. Ouais, c'est clair. Tiens, Boruto, Kawaki, t'as bien grandi dernièrement. Non, mais Samy qui dit Ima direction famille Yuga, ouais. Bah, de son, oui, c'est oui, les oui. Qui peuvent. Après, Imawari, elle va bien se rendre compte que Boruto, enfin, du coup, Kawaki sera différent du Boruto qu'elle connaissait. C'est ça. Frère. C'est ça, pour moi, ouais, quand tu vis au quotidien avec quelqu'un, tu sais au moins comment cette personne se comporte, quoi. C'est ça, Imawari, elle va se poser un peu, je pense, des questions. Après, voilà, encore une fois, c'est une Hyuga. Les Hyuga, on sait qu'ils sont liés au clan Otsutsuki. Donc, est-ce qu'elle pourrait y échapper ou est-ce que... C'est pas faux, hein. Toneri pourrait intervenir aussi, peut-être. Non, mais c'est pas faux parce qu'on sait que Imawari est bien plus forte. À un moment donné, Daemon a dit « Oh là là !» une personne comme toi pourrait battre facilement, enfin pourrait facilement parer mon point. Ouais. Donc on peut déjà dire que est-ce qu'elle aurait pas du pouvoir Shinjutsu ou d'Otsutsuki, ce qui ferait qu'elle serait immunisée au pouvoir d'omnipotence. Bah après déjà c'est quand même une Hyuga et en plus une Uzumaki, c'est déjà pas mal quand même je trouve. Mm. Si tu combines au fait que les Hyuga descendent plus ou moins des, enfin sont liés au Otsutsuki.
Mais en fait, techniquement, Imawari, elle a les mêmes gènes que Boruto, en fait. Donc, je vois pas pourquoi elle aurait pas la même chose que Boruto, en fait. Bah ça dépend parce que par exemple tu vois elle a hérité du Byakugan là où Boruto si dans le manga il a bah non enfin ouais il l'a mais c'est quand c'est Momichi qui prend le contrôle mais Oui, bah oui. Ouais, mais j'ai bon. lui Boruto en lui-même il a pas le Byakugan contrairement à Imawari. Boruto de base, il est immunisé à l'omnipotence parce qu'il est Otsutsuki, hein. Ouais, Oui, bah comme oui. Kawaki. Ouais. Mais ça, il reste la fameuse théorie du fait que c'est peut-être que Sarada et Sumire sont amoureuses de Boruto. Ce qui fait que Ouais, si, ouais. bah c'est le pour moi c'est vraiment le seul lien qui peut relier Sarada et Sumire. En vrai, c'est le plus logique, hein. Même enfin j'ai pas de enfin je vois pas d'autre lien entre les deux. Parce Entre que Sarada et moi. Sumire, il y a aucun lien sinon mis à part ça, ils ont pas de lien de sang. Elles sont amies mais ça c'est tout, juste elles kiffent Boruto toutes les deux mais Ouais, elle tombe amoureuse de Boruto, quoi. voilà, et Boruto étant un Otsutsuki, peut-être le fait d'aimer un Otsutsuki. Mais dans ces cas-là, faut voir si ça marche qu'avec l'amour comme ça, ou aussi avec l'amour fraternel. Dans quel cas, forcément, Imawari aime son frère, donc du coup, peut-être que. Moi, pour moi, ça marche avec tous les types d'amour, hein. Ah, du coup, donc l'amour fraternel, tout ça. Donc du coup, logiquement, Imawari devrait pas être touché. Mais du coup, c'est le cas si Imawari est pas touché, je vois pas Imawari attendre 3 ans sans rien faire. Après, ça marche pas forcément parce que quand tu regardes Mitsuki, Mitsuki il est amoureux de Boruto. Ça marche pas du coup. Ouais. Non, je plaisante, je plaisante. Non, mais c'est son soleil, hein, après. Donc, d'ailleurs, Mitsuki, dans le dernier. Enfin, on avait vu, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode où il affronte, entre guillemets, Orochimaru et son lui forme adulte. Ouais, Log, je crois qu'il s'appelle. Ouais, et que genre il va super vite et qu'il vole le parchemin dans la main d'Orochimaru. Ça m'a surpris que justement Mitsuki rattrape pas vite Boruto en vrai, parce que là Mitsuki en vrai, si en mode Sennin comme ça, il peut aller Aurait pu beaucoup plus vite rattraper, que ça normalement. Même il aurait pu Orochimaru avait passer. rien vu à la vitesse de Mitsuki, donc bon après c'est pour le scénario parce que voilà, mais. Ouais, à ce niveau-là. Mais par contre, les gars, je sais pas vous, mais moi, même si Imawari, elle est touchée, pour moi, je la vois bien se rendre compte de quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Parce que Imawari, genre, elle est pas conne, tu vois. Enfin, genre, c'est pas. Imawari, elle est intelligente, tu vois. Enfin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ça Hein. nous est. Parce que Sasuke, il s'en est rendu compte. Oui, bah oui. Après, dans l'histoire, j'ai l'impression que Sasuke est plus intelligent que tous les autres réunis. Hein. Genre. Ouais, mais après, mais ça c'est Sasuke le. a toujours été intelligent. Ouais, Sasuke, c'est un non, génie. mais ouais. Ouais, mais Shikamaru! Shikamaru! Sasuke, c'est un des seuls qui peut sentir Mochiki aussi. C'est vrai. Shikamaru! Ouais, Ça, du mais coup. pour Shikamaru, on va dire il est dépassé par les autres Tsutsuki, je sais pas quoi, mais bon. Oui, bah oui. Mais Mais. après, c'est vrai que Sasuke, là, enfin, il y a de quoi se poser des questions si t'es à sa place. Non seulement sa fille lui demande de protéger Boruto, elle a éveillé le Mangekyou, et en plus, Boruto a le bandeau qu'il avait normalement donné à Kawaki, Uzumaki, au fils de Naruto, et en plus de ça, il sent la présence de Momochiki qui est censée être dans Kawaki normalement. Donc, c'est vrai que je veux dire, quand t'es à la place de Sasuke, tu te poses quand même des questions, ouais. Ouais, carrément, carrément. Mais pour renier ses propres souvenirs, ça par contre, vraiment, à part Sasuke, peu de persos pourraient le faire, quoi. Personne ne peut faire ça, ce qui est. Franchement. Ouais. C'est pour ça que j'avais dit ça avant que le chapitre sorte, que Sasuke allait prendre Boruto sous son aile et déserter Konoha, parce qu'il y a que lui qui On peut avait faire ça. beaucoup Hein. pensé que c'était parce qu'il n'avait pas été touché par le sort d'Eida, alors que finalement, si, il a été touché, mais il prend quand même Boruto sous son aile. Y a une théorie qui dit que Sarada, lorsqu'elle a éveillé son Mangekyou Sharingan, aurait mis un genjutsu ou quelque chose à Sasuke pour qu'il revienne à la Imaginez, c'est réalité. le même. Imaginez juste, c'est le même Genjutsu que Shisui. Shisui, son Sharingan, enfin son Mangekyou, Ah, le si jamais coton c'était utilisé sur Sasuke par exemple, bah, il devait protéger Konoha. Donc imaginez, genre là, ça c'est la même chose, mais c'est genre protège Boruto. Ce serait incroyable. Ce serait fort, Ouais, hein? Ce serait clairement. fort. Maintenant, après, au vu des paroles de Sasuke, ça a pas l'air non plus. On dirait que c'est vraiment lui qui pense à tout ça et non pas qu'il a été sous l'influence Non, d'un Genjutsu. c'est quand même plus c'est plus élogieux que ce soit Sasuke qui soit mis en avant grâce à son intelligence et tout là. Ouais, franchement, ouais. Parce que là, il fait vraiment fort. Hein. Après, ce qui serait vraiment fort, c'est qu'un autre se rende compte de la situation. Parce que ça voudrait vraiment dire Après, il que. reste la question d'Amado, du coup. Est-ce que Amado. Bah, après, logiquement, Amado, à moins qu'il se soit greffé des cellules de Otsutsuki et que lui-même soit Ah, semi-Otsutsuki,
C'est Shibai, c'est Shibai lui. On le dit, hein. On le dit depuis longtemps que c'est Shibai. C'est vrai. C'est lui le big boss. Non, en vrai, Amado, en réalité, il connaît tellement bien Kawaki qu'il va se rendre compte. Hein. Au moins, il savait qu'il allait se passer un truc comme ça, tu vois. Le Kama qu'il y a sur Kawaki, c'est le Kama de sa fille, alors que normalement, le Kama de sa fille n'est pas censé être sur Kawaki là, mais sur Boruto du coup. Mais je veux dire, psychologiquement déjà de base, il savait comment se comporter Kawaki. Quand il dit ouais, t'es frustré, ouais, tu veux le Kama. Il arrivait plus ou moins à savoir l'état d'esprit de Kawaki et le manipuler. Ouais, c'est un manipulateur, de toute façon. Ouais, donc moi je pense que lui il va vite se rendre compte que Kawaki est resté Kawaki et que Boruto c'est l'autre, tu vois. Mais moi je vois pas Amado se faire toucher. Hein. Par ce pouvoir. Bah après, normalement. Après, peut-être que lui aussi il est amoureux de Boruto, mais. Tout le monde est amoureux de Boruto. Ou de Kawaki, ça marche aussi du coup. Bah attends, ça dépend. Attends. Kawaki a le Kama de sa fille. Si l'amour père-fille compte. Bon, après, ça va très loin, mais. Ouais, par le biais de l'amour de par sa fille. Après, je suis parti loin là, mais. Ouais, est-ce qu'Amado avait pas tout prévu depuis le début et connaissait déjà les pouvoirs d'Eda, de pouvoir réécrire les histoires, enfin. Bah, après, il avait l'air un peu de paniquer quand ils ont commencé à dire qu'ils allaient tuer Kawaki. Hein. Oui, c'est vrai. Il avait pas l'air très très serein non plus, donc. Alors, il joue très bien la comédie, soit il est vraiment touché, mais peut-être qu'il va s'en rendre compte après. Il y a Samy dans le chat qui dit, les gars, moi j'aurais une théorie sur le pouvoir du Mangekyou de Sarada, symbole du soleil. Et les yeux de Eda sont liés à la lune. D'ailleurs, Jogan est lié à la lune aussi, j'ai l'impression. Sarada pourrait donc annuler l'omnipotence, votre avis ? Si c'est le cas, pendant les livres de 3 ans, c'est ce qu'elle aurait fait à Tsukonoa, en fait. Ce serait pas si ouf que ça, hein, comme pouvoir. Si Sarada, son pouvoir, c'est d'annuler l'omnipotence, ça veut dire que son pouvoir ne marche que contre l'omnipotence, tu vois. C'est... Après, son pouvoir, ça, c'est une partie, mais n'oubliez pas le Susanoo. Ouais, le Susanoo, l'Amaterasu, etc. Après, Obito, il avait pas au début le Susanoo, et pourtant il avait le Mangekyou, mais... Ah oui, c'est possible. Après, Kakashi a eu le Susanoo, je vois pas pourquoi Sarada, qui a une Uchiwa, n'aurait pas le Susanoo. Ouais, mais ce que je disais tout à l'heure, hein, ça se trouve, ce sera un autre Susanoo. Ce sera un Susanoo angélique. On a vu dans le jeu Naruto Storm Connection un tout nouveau Susanoo, imaginez, c'est lui. Oui, c'est vrai, avec une histoire inédite. Donc, ça va être celui de Sarada. Ouais, mais après, moi je vois pas relieu, je vois pas trop. Moi je trouve que ce serait trop tôt pour le Susanoo de Sarada. Moi je trouve que c'est bien que cette omnipotence ne peut pas être annulée. Allez. Comme ça reste Boruto le méchant et que Tsukonoa le poursuive, tu vois. Je trouve que d'un point de vue scénaristique, ça reste très bien. Si tu annules, si t'as moins d'enjeux, t'as tout le monde qui sait, en fait, Kawaki, c'est le méchant, tu vois. Ça annule les bienfaits du scénario et du plot twist. Et on se rapproche d'un Boruto à la psychologie d'un Naruto avec la fin. Comme quoi, il en veut pas à Kawaki, que ça se finira avec un combat fraternel, etc. Mais par contre, les gars, moi, il y a un truc que j'ai trouvé ça incroyable dans le chapitre, c'est le moment où Boruto, il dit, ouais, j'ai la volonté de Naruto, de mon grand-père. Moi, perso, je fais le parallèle au début du film, quand Boruto, il y avait un peu la haine contre Naruto et le statut de Hokage, tu vois. Ouais. C'est qu'il a mûri, il a changé. Oui, franchement, le développement du personnage de Boruto, je le trouve incroyable. Et puis Boruto, il lâche des punchlines, c'est un putain de beau gosse, en fait. c'est vrai que moi, il m'a fait frissonner sur ses paroles. J'ai fait, ah ouais, pour un gamin de 12 ans, là. D'ailleurs, vous avez pensé... à le dire. J'ai vu des tweets à ce propos, quand Boruto, il faisait son gros tweet et qu'à la fin, tu voyais, son pantalon, là, il se baissait un peu, tu vois. Il y a tous les tweetos qui ont fait la remarque. Vous en avez pensé quoi, vous ? Et vous, j'avais pas fait attention. J'avoue que c'était drôle, mais. Moi aussi. Je fais, les gars, vous focalisez sur un vieux truc, mais. Après, c'était drôle, tu vois. Je fais, ouais, c'est vrai que. Non, en vrai, c'est drôle, mais c'est un vieux truc. Ouais. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai fait, ouais, t'abuses de dessin, t'aurais pu faire autre chose, tu vois. Là, c'est plus le dessinateur, je me dis, ouais, t'abuses. Mais ouais. Momoshiki devient nerveux parce que les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu. Il n'a pas vu précisément l'avenir de Boruto, seulement des parties de celui-ci. Il croyait que lorsque tout cela se produirait, Boruto perdrait sa volonté de vivre et qu'il pourrait alors contrôler son corps. Mais Boruto reste ferme et optimiste sur le fait qu'il ne déteste même pas Kawaki
pour ce qui s'est passé. Batatoudi Ibrahim Had, vous pensez que Momoshiki, qu'est-ce qui va venir de lui ? Que j'espère, je sais pas, mais ce que j'espère, c'est qu'il ne devienne pas un Kurama bis, qu'il devienne pote avec Boruto. Mmh. Parce que ça serait dommage, en fait. Moi, je crains qu'on va vraiment vers ce côté où Momoshiki va devenir gentil plus tard. C'est-à-dire que là, il est vraiment méchant. Ouais. Mais il y a possibilité, parce que en réalité, quand tu vois Kaguya qui a réussi à changer de camp, je me dis qu'un Otsutsuki, tu peux quand même les convaincre. Ouais, mais après, tu vois, Kaguya et Toneri, c'est des cas particuliers, dans le sens où Kaguya, elle s'est vraiment attachée à la terre, elle a découvert l'amour avec Boruto. Oula. Tenji ou je sais pas quoi là. Elle a découvert l'amour, elle s'attachait à la terre quoi. Ouais. Bah, qu'est-ce qui empêche Momoshiki de t'apprécier un humain? Je sais pas, en fait, je trouve que ça irait pas avec sa personnalité, parce que Kaguya, tu sentais, tu vois, qu'elle était gentille au fond, que c'était qu'elle était gentille et qu'elle voulait vraiment qu'elle aimait pas son clan quoi. Mais Kurama, tu pensais pas qu'il pouvait devenir gentil, non? Au début, non. Ouais, au début, non, mais ça a pas du fin. Non. Parce que là, finalement, parce que pour moi, il y a un parallèle, hein, Momoshiki et Kurama. Ah oui, largement, clairement. Moi, ça me surprendrait pas que, tu vois, la première scène, premier épisode qu'on a vu, quand Boruto dit « Ouais, je reste un ninja », tac, il active le Byakugan, hein, ou le Jogan. Et en fait, c'est que Momoshiki et lui sont en accord, tu vois. Mmh, ouais, bah ouais, clairement. C'est une théorie, évidemment. Mais je comprends qu'il y en a d'autres qui font « Ouais, mais ça serait déjà vu. » Bah, de toute façon, ce qu'on voit dans Boruto, c'est pas mal de reprises de Naruto, de clin d'œil, de parallèles, etc. Donc, c'est bien fait. Et en plus, donc, ça m'étonnerait pas, en fait. Bah, je trouve que t'as des parallèles dans Boruto, et en même temps, je crois que je l'avais dit dans le live, mais je trouve que l'œuvre de Boruto, c'est un parallèle, mais pas vraiment, en fait. Je trouve que c'est vraiment une œuvre miroir, en fait. Dans le sens où, ça déconstruit l'œuvre de Naruto, en fait. Mmh. Mmh. Donc tu veux dire oui, le fait que Boruto veut devenir comme Sasuke et que Sarada veut devenir comme Naruto, c'est un parallèle, enfin c'est miroir quoi. Ouais, c'est ça. Ben oui. Il y a Tiakola YT là YouTube, je sais pas si c'est un YouTuber ou pas peut-être, qui dit une remarque pertinente, qui dit sachant que Sarada et Sumire connaissent toute la vérité sur Kawaki, bah du coup est-ce qu'elles vont pas vouloir l'éliminer? Ah peut-être. Non, pour moi non. Sarada là, dans l'un des chapitres, elle a placé tout son espoir sur Sasuke, du coup elle sera peut-être infiltrée, elle devra faire semblant que tout se passe bien parce qu'elle sait que si elle trahit aussi Konoha, elle va se faire buter. Mm-hmm. Donc je pense pas qu'en plus ils ont pas le niveau contre un Kawaki en mode avec le Kama. Enfin ça adapte peut-être un peu plus, mais pas le Sumire. Après tout est Ouais, moi je pense que de toute façon l'ellipse, il y aura rien. Entre... Voilà, sachant que si on passe directement une ellipse de 3 ans, c'est que je vois comment il vivrait et je pense que Sarada vivra le truc en mode en hypocrite entre guillemets. Mm. Et elle relèvera des informations pour aider Boruto le jour où il reviendra à Konoha. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Après, ça va être marrant quand même, les hors-série. Je sais pas s'ils vont faire des épisodes hors-série sans Boruto, ça peut être très marrant. Ouais, j'avoue. Genre, ça fait un moment qu'on n'entend plus Raito, je sais pas s'il est toujours là. Ouais, si. Non, mais ok. Hein. Mais ouais, moi je pense que ouais, il y aura sûrement des épisodes gag où t'auras Kawaki qui est à Konoha. Il y aura sûrement des épisodes filler pour compléter un peu. Moi j'aimerais bien. Je pense même que la période de l'ellipse, genre là dans le manga on va passer direct à la fin de l'ellipse. Je pense dans l'animé il y a moyen qu'on ait des épisodes entre le dernier chapitre là et le prochain. Genre plein d'épisodes qui se passent pendant l'ellipse. Comme dans Naruto quoi, comme ce qu'ils avaient fait dans Naruto. Ouais. Bah ça va laisser. Après Naruto ils avaient fait. Naruto ils avaient fait un paquet de hors-série, même beaucoup d'ailleurs. Oui, il y en a centaine d'épisodes. Je crois. Ouais, ils en ont fait vraiment beaucoup. Ils se suivaient pas quasiment. Je crois que c'était des épisodes. Il y a des arcs qui se suivaient. Bah ouais, en fait, t'avais des petits arcs de 3-4 épisodes qui se suivaient, mais à part ça, il y avait rien. Je me souviens juste d'un épisode où t'avais Shino qui mangeait je sais plus quoi, qui se mettait à rire comme pas possible. Ouais, c'était incroyable celui-là. Le seul épisode où on a vu Shino rigoler. Enfin, après, dans Boruto, en vrai, ça va, il rigole et tout, mais.
Mais à l'époque de Naruto, voir Shino rigoler, c'était impossible. Ouais, c'était... Comme l'épisode avec les masques, le masque de Kakashi. Incroyable, celui-là. Ah oui. Oh, c'était le meilleur. Il y a plein d'épisodes comme ça qui étaient sympas. Après, après faut voir si Boruto, ça pourrait être dans le même style. Hein. Ouais, maintenant, bah... est-ce qu'ils montreront du côté de Boruto ou du côté de Kawaki, ou peut-être un peu des deux? Bah là, je pense que ce serait surtout du côté de Kawaki, quoi. Genre des mecs, tiens, on t'a ramené ton plat préféré, des burgers. Et ils les regardent. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu manges pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais je suis perturbé, mon père n'est plus là. Il va sortir des trucs comme ça. Moi je vois aussi, hein, genre les jeux, viens on va jouer aux cartes. Et t'as, bah, par contre, j'avoue, c'est horrible parce que du coup, Shikadai et tout, genre ils vont aller le voir en mode comme si c'était Boruto et tout, alors qu'en fait c'est le mec qui est responsable du fait que Boruto a dû déserter, mais ils le savent même pas. Et c'est le mec qui a essayé de tuer Boruto, qui s'est débarrassé de Naruto, qui l'a mis dans une dimension. Et eux, Shikadai et tout, ils vont arriver en mode viens on va jouer et tout. Bah ouais, ouais. C'est ouf. Ils seront dans le mensonge. D'ailleurs, les gars, genre, je peux parier tout ce que j'ai, que genre la période chapitre 79 où t'as l'omnipotence dans l'animé, pour moi, ça va être horrible. Hein. Ça va être plus horrible dans l'animé que dans le manga. Je me demande comment ça a été interprété, ouais. Dans l'animé, ils ont intérêt à bien faire les choses, mais... Bon, après, moi, pour moi, le studio Pierrot, il sublime à chaque fois le manga. Avec les musiques et tout, c'est... Surtout que dans l'animé, t'avais des épisodes pour développer les relations entre les persos. Ah, et Shikadai, tu vois, Shikadai, ça va être impactant dans l'animé beaucoup plus que dans le manga. Ouais, c'est vrai que Shikadai était beaucoup développé dans l'animé. Bah, dans le manga, il n'a pas été développé. On l'a vu, je crois, trois fois. On l'a vu une première fois au début de l'examen qui a été complètement rushé dans le manga vu que ça adaptait juste le film. Mm. On l'a vu une deuxième fois, c'est quand Amado il a mis un collier avec deux bombes, autour du cou. Et la troisième fois, je crois que c'est là en fait dans ce chapitre. Mais t'as pas eu le temps de t'y attacher dans le manga en fait, pas du tout même. Alors que dans l'animé, t'as eu tout un arc sur Shikadai qui était incroyable d'ailleurs. De la nuit blanche qui était franchement. Shikadai pour moi c'est vraiment, hormis Team 7. C'est le meilleur personnage, je pense, de la nouvelle génération. Ah oui, clairement, moi, c'est mon préféré de la nouvelle génération. Mmh. Parce qu'après, Inojin et Chocho, bof. Le régime... Oh, t'as pas aimé le régime de Chocho? Chocho, et même Iwabe avait un potentiel dans l'animé, et finalement, bah, voilà. Ouais. Denki est intéressant aussi, un peu. Denki, j'aimais bien, hein, dans l'animé. Dans le manga, il n'existe même pas, alors... Ouais, dans le manga, il n'existe pas. Ah oui, il n'existe pas, ouais. Après, t'as le... Je crois que c'est... Oki, c'est pas Oki le Kakashi, si c'est Kakashi, ouais. C'est Kakashi petit. Le mini Kakashi, ouais. Ouais, t'as lui. Et après, t'avais l'ancienne team de Sumire avec la samouraï là. Wasabi Tsubaki. Ouais, c'est ça. C'est votre personnage Joseph. Shikadai, c'était le plus intéressant. Hein. Mm. À la limite, même sa relation avec Boruto était intéressante. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent quand même mettre en avant. Sumire. Ouais, bah elle a été introduite tard dans le manga, elle a été introduite lors de l'arc Ao, avec Ao et début Kara. Mm. Et c'est vrai que dans l'animé, on la voit dès le début, par contre. Ouais. Mais par contre, là, je trouvais qu'elle était perspicace, hein. Parce que c'est très, elle. Très même, j'ai envie de dire. C'est elle qui a tout dévoilé à Sarada. J'ai fait oh. Comment elle communique avec Sarada? Ils ont des. Ouais, c'est pas une Yamanaka, donc ils peuvent pas communiquer par la pensée. Bah, on peut présupposer qu'ils sont tous connectés via le pouvoir d'Ino, parce qu'il y a Shikamaru qui annonce à tout le monde poursuivez. D'accord, mais à moins qu'elle puisse cibler que Sarada, normalement tout le monde devrait entendre ce qu'elle dit. Fin... C'est ça, ouais, c'est pas ça. C'est vrai. Ouais. Bah, en fait, elle le faisait déjà quand. Ouais, c'est pas bien grave. Par contre, comme t'as dit, elle est perspicace de fou parce qu'elle a vraiment tout compris de A à Z. Ouais, c'est clair. Pas comment elle a fait, mais elle a tout compris. C'est clair. Elle a regardé le rayon passer dans le ciel et elle a fait oui, alors c'est forcément c'est le sort. C'est forcément le pouvoir de Aida. C'est forcément Aida. Les souvenirs des gens. C'est ça. Elle a même dit ouais, c'est forcément du Shinjutsu. C'est ça. J'ai fait oh. En fait, c'est Sumire l'antagoniste du manga. Je suis sûr, c'est elle. En vrai, c'est Shibai. Mais pour moi, Sumire, elle est bien plus perspicace que Shikamaru, le Shikamaru de Boruto. Ouais. Après, Shikamaru de Boruto, il avait eu raison d'être méfiant pour le coup. Après, il a été perspicace sur Kawaki finalement, mais bon. Après, tu vois, Sumire, elle a l'avantage d'être amoureuse et de ne pas être affectée par le pouvoir d'omnipotence. Je pense que quand t'es affecté par le pouvoir, c'est encore plus chaud
de deviner que tu t'es fait avoir. Ouais, mais même, tu vois, je parlais pas que de ça, je parlais de Shikamaru en général. Même c'est Sumire qui avait compris un peu la combine de Amado à l'époque. Oui, non, mais Sumire, elle est loin d'être bad. D'ailleurs, c'est pareil, les gens qui suivent que le manga, du coup, ils ont raté tout l'arc avec Sumire au début aussi. Ouais, avec le nuit. D'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, je crois que l'arc qui est canon, parce qu'il adapte les romans. Tout l'animé Boruto est canon. Boruto est canon. Il y a des différences quand même entre tous, mais dans le manga, il y a des allusions à l'animé, etc. Ouais, donc, mais ce que je veux dire, c'est que tous les fillers sont considérés comme canon. Oui, voilà. Et après, c'est un peu dommage d'avoir fait mourir Onoki dans un filler, mais. Ah, j'étais dégoûté. Franchement, j'étais dégoûté. Enfin, vu l'âge qu'il avait, on se doutait qu'à un moment, ouais, il allait. Ah, Mais après, Onoki, tu vois, c'est pas n'importe qui. Moi, perso, je le voyais bien mourir un peu à la Hiruzen, tu vois. Ouais, mais je pense que tous les persos de l'ancienne génération, enfin, ils auront pas de rôle. C'est comme Rock Lee, tout ça. Déjà que ouais, les personnages de l'ancienne génération, ils ont pas beaucoup de rôle. Alors, les personnages de l'ancienne génération, encore moins. Mmh. Ah, t'as Naruto, forcément, et Sasuke, qui sont quand même les deux personnages principaux. Donc, eux, ils ont eu leur moment de gloire, forcément, dans Naruto. Maintenant, c'est vrai que c'est les seuls. Konohamaru, vite fait, parce que c'est le sensei, forcément, de la Team 7, donc on le voit. Mais sinon, les autres personnages de l'ancienne génération... Ouais, et encore, quoi. Vite fait, quoi. Après, c'est comme... Vega, tu parlais de Shaman King. Je crois que dans Flowers et Superstar, on les voit très 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 peu, Yo, Ao, tout ça. Exactement, ouais. Et encore dans Flowers, je crois qu'on voit même pas Yo, je crois qu'on le voit que dans Superstar. Non, je crois dans Flowers, je crois pas qu'on le voit. Et voilà, et après en soi... Après, non, personne ici lit la suite de Nanatsu no Taizai. Non. Je vais m'attendre un petit coup, là, je reviens. Je vais aux toilettes avec Naruto. Je vais rejoindre Naruto. Je vous laisse. Je vais profiter pour... pour vous laisser là, je vais me déconnecter. Merci pour l'invite, Geoffrey, c'était cool. Ah, de rien, moi je reviens tout de suite. Moi. Merci à toi, Raito et Makoto, d'avoir débattu avec vous, c'était sympa. Ouais, bah, merci à toi aussi. Ouais, merci, hein, merci à toi. Hein. Merci, bah, passez une bonne soirée, passez une bonne soirée aussi au chat. Donc, ciao. Ciao, bonne soirée. Mais... Et ouais, du coup, c'était pareil pour dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est pareil, tu as beaucoup la nouvelle génération et tu vois juste vite fait l'ancienne, tu vois, mais c'est concentré forcément sur la nouvelle. Hein. En fait, le truc dans les cavaliers de l'Apocalypse, j'ai l'impression que tu vois un peu. Et t'es à jour dessus ou pas du tout? J'ai juste un chapitre de retard. Ok, t'es au 100. Sur la version anglaise ou sur la version française? Non, française. Ah, donc tu dois être au 95, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, y a pas de team qui traduit les chapitres, c'est un peu dommage. Ah ouais, franchement, c'est dommage, hein, bah ouais. Et sinon, au chapitre, il y en a 102, et le 103, je spoil pas, mais on va revoir un personnage, on l'a pas vu dans les 4 cavaliers, j'attendais de le revoir, tu vois. Un ancien de l'ancienne génération. Ah, mais c'est cool, ça. Mais je vais pas spoil, voilà, pour pas... Ah, mais tranquille. En fait, j'ai l'impression que dans les Cavaliers de l'Apocalypse, on voit les anciens persos, mais en fait, au début, on te faisait juste des mentions, tu vois, genre comme si c'était un peu des légendes, tu vois. Oui, c'est un peu ça. On se focus dessus, on en parle un peu comme des légendes, mais après, bon, t'as vu, on revoit quand même Meliodas, tout ça. Il y a dans le chat des gens, c'est Ibrahim qui parlait du coup des yeux éveillés par l'amour de Sarada, mais en vrai, c'est pas éveillé que par l'amour, puisque en soi, elle vient d'apprendre la mort de Naruto. Donc elle vient d'apprendre, donc c'est une perte, c'est aussi une perte, pas que l'amour là. Bah, en fait, c'est un peu un mélange des deux en fait. C'est ça, d'un côté, tu as la perte, la mort de Naruto, et d'un côté, tu as le fait que tout le monde s'est retourné contre Boruto en fait. Donc c'est à la fois l'amour envers Boruto, mais en même temps, la perte de Naruto. Ouais, c'est ça. C'est un mélange entre les deux. Alors, qu'est-ce qui l'a vraiment déclenché? Est-ce que c'est un mélange des deux ou est-ce que c'est vraiment l'un ou l'autre? Bon, peut-être qu'on aura des explications, mais c'est dommage, j'ai l'impression qu'il lit pas trop le chat. Si, on lit. Mais voilà, il y a quand même la mort de Yo. Yo, il est pas mort. Hein. Non, Shaman King, tu parles de Shaman King, je présume, mais il est pas mort. D'ailleurs, Aito, est-ce qu'on a des nouvelles pour l'animé des Cavaliers de l'Apocalypse ou... Ça sort en octobre, je crois. Ou en automne, en tout cas. Ah, ok. De cette année, donc... Il y a déjà un premier teaser qui est sorti, mais...
Mais oui, normalement, ce sort là. J'espère que ça sera mieux, que, mieux animé que Nanatsu. Ah, franchement, j'espère, hein, parce que honnêtement. Que... Bah, le manga est très bon, je trouve, en vrai. Franchement, il est incroyable, hein, le manga. Je trouve très beau. Parce qu'après, du coup, sur le chapitre, qu'est-ce qu'on a. Moi, je sais pas ce que vous avez abordé, du coup, quand j'étais pas là. Mais moi, je trouve les dernières planches, c'est finalement la volonté de Boruto, tu vois. Parce que beaucoup de gens voulaient un Boruto qui va sombrer dans le désespoir, en mode il devient sombre, etc. et tout. Mais c'est pas dans la mentalité de Boruto de devenir sombre juste pour ça. Alors Boruto, c'est quelqu'un qui va, bah, qui a déjà hérité de la volonté du feu, mais c'est quelqu'un qui va, enfin, qui va pas abandonner pour si peu. Il va pas sombrer pour si peu. Donc c'est, pour moi, je trouve ça logique de pas avoir un Boruto sombre, mais vraiment d'avoir un Boruto qui va tout faire pour essayer de pouvoir retourner au village et d'inverser la situation. On le voit avec Ao dans le chapitre 1 de Superstar. Ouais, mais je peux le pas, mais après Ao il peut ramener à la vie qui veut sur Terre, c'est un dieu Ao maintenant, donc je fonce, et toujours aux toilettes, soyez patient s'il vous plaît, il vit dans le château de Kaguya. À propos du motif Mangekyou Sharingan de Sarada, à moins que je me trompe dans la scène où Hagoromo sépare les Jubi et Credibiju, il a entre autres symbole, un triangle similaire à celui-ci. Mais après, même, de toute façon, ça fait le soleil pour l'œil de Sarada et la lune pour l'œil de Boruto. Oui, bah oui. Donc, après, il est joli son Mangekyou, je trouve. Je fonce, joue la Naruto quand il se transforme en Sasuke au début du manga. C'est exactement ça, quand il a bu le lait là. Le lait qui se sentait pas bien quand il a voulu embrasser Sakura, qu'il est parti aux toilettes. C'est exactement ça. Là, il reviendra peut-être dans une heure. Ou peut-être qu'il est dans le Daikokuten, hein, peut-être. C'est vrai, c'est possible. Parce qu'après, dans le chapitre, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le chapitre? Ouais, bon, après, Kawaki, c'est sûr que ce qu'il a fait, ça reste horrible. Franchement, ouais. Enfin, on comprend pourquoi il le fait, mais en tant qu'antagoniste... C'est un très bon antagoniste, enfin, si on peut le considérer comme antagoniste, ce qui n'est pas totalement le cas non plus. Mais en termes de développement et d'écriture, Kawaki est très bon. Ouais, il y a Code aussi, Code, il va arriver avec son armée de Jubi. Maintenant, le truc, c'est qu'il en veut à Boruto. Tiens, on voit, je fonce derrière. Ouais, je suis de retour. Désolé, hein, excusez-moi. Entre la vidéo du live et... ouais, c'est pas grave. Ida est toujours amoureuse de Kawaki. Ben, ça, j'en ai parlé dans ma review, pour moi... Eida, elle va finir par kiffer Boruto. Elle va se rendre compte que vraiment la mentalité de Kawaki, elle est pas cool du tout, et que celle de Boruto est bien plus mature et bien plus cool. On l'a vu à plusieurs reprises. Déjà dans le chapitre dernier, elle avait dit à Kawaki, est-ce que t'as vraiment besoin d'aller aussi loin? Et là, elle revient s'excuser encore plus auprès de Boruto. Et elle a même dit qu'elle donnera pas la position de Boruto à Kawaki et tout. D'ailleurs, il y a une question qui se pose. Eida est censée être amoureuse de l'étrangère qui vit à Konoha. De l'étranger qui vit à Konoha, on est d'accord. Attends, du coup, ils vont trouver ça bizarre normalement que Eida reste à Konoha alors que l'étranger n'est plus à Konoha. Bon, après, ils peuvent rien faire contre Eida. Hein. Eida, elle dit un truc, tout le monde la croit. Hein. En plus, elle peut voler, alors à partir de là, non, mais, elle vole et elle va du village et c'est bon. De toute façon, Eida, quoi qu'il arrive, t'as des mecs comme Mitsuki qui vont mettre à fond sur elle et tout ce qu'elle dira, oui, t'as raison. C'est vrai. Oui, bah c'est vrai en plus. À part Kawaki et Sarada Sumire, c'est vrai que tous les autres, de toute façon, ils vont rien faire du tout face à elle. Ouais, tous la croire. Vous pensez que la partie 2 de Boruto sera aussi longue que Naruto Shippuden? Non, jamais. Non, ce sera pas aussi long. C'est super long, mais là, ça ne sera jamais aussi long. Après, je crois que Mikio Ikimoto, il avait dit dans une interview que Boruto, ça fera 30 tomes, même si perso, je crois que ça fera plus de 30 tomes. Fait une Oda, quoi. C'est pour faire que Naruto, que la saga Naruto fasse pile 100 tomes, en fait. Oh putain, j'ai mal au ventre, fais chier. Ah, ce soir-là, c'est sympa. Je vais vous laisser, du coup. Ça marche. Ouais, merci pour l'invitation. Et on aura, je pense, l'occasion sûrement de faire d'autres lives plus tard. Mais de rien, je sais pas si Roy est dans le chat. Il y a pas de bon 3 mois, mais bon. Ouais, on aura l'occasion. Je sais pas si Roy il est dans le chat. Ouais, de toute façon, on fera même un autre live sur autre chose. Ouais, ou pas, attends, là, hein. Moi, ou un truc offline. On devait discuter avec Roald en vocal, donc là je pense qu'on va aller faire le vocal. Bah, après, si tu veux nous rejoindre juste derrière ou. Bah ouais, vas-y, je vais. Je sais pas quand tu vas finir ton live, mais si tu veux nous rejoindre. Bah vas-y, je vais clôturer le live de toute façon. Autant aller au vocal tout de suite. De toute façon, on aura l'occasion de rediscuter de Boruto. Ouais, ouais, bon, ouais, de toute façon, c'est sûr, bah il y a toujours des choses à dire. Donc... Même Naruto, je rappelle qu'on devait faire un live Naruto aussi. Oui, ouais, j'avoue. Oui. Mais de toute façon, là, on a quand même pas mal parlé du chapitre, hein, quand même. Là, mais si tu fais un live Naruto, Boruto, tout compris, en vrai, ça serait cool qu'on fasse un live, mais vraiment où on invite
les youtubeurs qui parlent de l'œuvre quasiment. Enfin, en tout cas, tous ceux qu'on peut inviter. Donc, avoir Darkos, avoir Saikyo, etc., etc. Donc, ceux qui étaient déjà sur le live aujourd'hui. Et il y en a sûrement d'autres que j'oublie qui font aussi du Boruto. Nairé, par exemple. Ouais, pauvre Nairé, j'espère qu'il va bien. Nairé, du coup, on sait pas trop parce qu'il n'y a pas de news depuis. Ouais, j'espère qu'il va bien, Nairé. Ça fait un moment qu'on l'a vu là. C'est bizarre parce qu'il n'a même pas posté de tweet. De tweet. Ouais, non, il n'a même pas eu les spoilers de Boruto, il n'a rien posté. Alors que lui, il était au taquet. On verra d'ici les prochains jours. Mais faire une espèce de conseil des 5 Kage, oh, sera incroyable. Ouais, là, il y aura plus que 5 Kage. Plus que 5 Kage, je pense. Mais... Ouais. Oui, là, ce serait, comme on dit dans le One Piece Game, une rêverie. Ouais. Bah, non, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais. Bah, si, après, tu peux l'appeler le conseil des Kage tout court. Hein. Ouais, le conseil des Kage. Ouais, ouais bah oui. Ouais, mais après, il y a du monde. Hein. Ouais, il y a Saikyo, il y a Darkos, ouais. Comme tu dis. Il y a Saikyo, Darkos. Bah, du coup, Makoto, toi, Vega, moi. Ouais. Kyuga. Kyuga. Ouais, je connais pas ça. Une fois, je l'avais invité. Il y en a d'autres. Après, je connais les principaux. C'est vrai qu'après, il y en a, je les connais pas forcément non plus. Mm. Ouais, après, il y a beaucoup de gens. Hein. Bon, pas Il y a Roro TV aussi, hein, maintenant. Maintenant, il y a Roro TV aussi. Ouais, il a rejoint le game aussi. Je fonce. J'étais dégoûté parce que j'ai pas pu assister au live que vous étiez avec Roro TV. J'aurais trop aimé lui parler, tu vois, avoir son avis sur l'œuvre de Boruto. Ouais, parce qu'il a tout enchaîné, il a un autre point de vue. Mais bref. C'est ça qui est intéressant. Mais ouais, on va clôturer le live. Les amis, on aura l'occasion d'en faire d'autres. Vous inquiétez pas, là c'est la 6ème vidéo, il y aura un autre live, 7ème, 8ème, on enchaîne. On fait du contenu vide, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Donc sur ce, dernier mot de la fin, vas-y, je te laisse Makoto ou Raito si vous avez quelques petits trucs à ajouter. Bon non, merci à toi pour le live, merci au chat du coup d'avoir participé aussi à faire vivre le live. Et merci à eux parce que techniquement... Nous, ok, on partage sur les réseaux tout ça, mais sans la communauté, on sert à rien. Enfin... Ouais, c'est ça. C'est surtout grâce à la communauté qu'on peut être là, en fait. C'est ça, parce que honnêtement, si on sortait une vidéo et qu'on faisait zéro vue, qu'il n'y avait pas de gens, pas de communauté derrière, bah, personne serait là. Donc, Ah oui, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'aurais l'air con, 6 hein, vidéos et faire 5 vues. Une vue par vidéo et que c'est que moi. Et que la seule vue, c'est moi. T'as pas relié ça à Sakamoto Days. Ah ouais. Non, mais en vrai, il faut que j'enchaîne Sakamoto Days. Ça fait longtemps que j'ai pas relu. Et Sakamoto Days mérite plus de visibilité. Je trouve que c'est excellent. Mais... Ouais, parce que c'est pas mal, mais c'est vrai que là, j'ai pas pris le temps de regarder. En fait, avec Boruto, j'étais surchargé là. En fait, j'ai enchaîné les vidéos à la con. Ça ne sert à rien toute seule. Bah, je pense qu'une communauté seule sert plus qu'un youtubeur seul. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout ça, la communauté, elle arrive à interagir, à débattre. Alors que toi, si tu fais une vidéo qu'il n'y a personne qui regarde, bah, tu débats tout seul. Ouais, franchement. Tu te fais les questions et les réponses tout seul. Il y en a, ils arrivent. Hein. Genre, moi, je sais que. Ouais, il y en a, ils sont très forts. Hein. Ils sont sur Twitch. Genre, ils font un live, il n'y a personne. Genre, Ouais, bah, attention, on aura l'occasion d'en reparler avec Roll juste après. Ouais. On va parler peut-être un petit peu YouTube, tout ça. Donc, Ça marche. Cool, bon, allez, sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et les amis, je clôture le live.